Hey yo tout le monde, c'est Sangotrey, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi c'est Vaspé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je dirais même une dernière vidéo, puisqu'aujourd'hui nous célébrons la dernière vidéo dans ma chambre. Donc voilà, c'est la dernière vidéo que nous ferons sur Lyon, puisque la prochaine sera faite à Saint-Étienne. Et c'est totalement exceptionnel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de cadeau, puisqu'il m'a été envoyé ceci par la poste, et ça vient de BV131. Alors je remercie BV131 pour son petit cadeau. Apparemment c'est pour mon anniversaire. Mon anniversaire en retard, pardon. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Il y avait une petite carte mais je ne veux pas vous la lire, puisque c'est assez personnel. Bon, il y a mon nom, tout ça. Donc et puis c'est... Il ne voulait pas forcément que je la lise avec vous, donc je ne la lirai pas avec vous. Oups là, le petit coup de pied dans la caméra, tout va bien, ne vous inquiétez pas. excusez-moi. Donc, du coup, on se retrouve pour ouvrir ce petit cadeau. Donc, j'ai déjà ouvert l'enveloppe, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Du coup, je vais, avec ma grande main, sortir ce cadeau. Attention, 3, 2, 1... C'est un micro fighter, le... Je l'ai pas mis dans le bon sens. Ah non, c'est pas celui-là. Hop là. C'est le First Order Snow Speeder. Donc le Battle Pack numéro 75126. Donc que je n'avais pas. Merci beaucoup. J'avais pas beaucoup de micro fighter. Je n'en ai qu'un seul même. Mais bah voilà, il va venir s'ajouter à la collection. Et en plus, c'est une figurine que je n'avais pas. Du coup, je vais la monter avec vous. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai fini de monter ce petit First Order Snow Speeder Microfighter. C'est bah écoutez, c'était fort sympathique. Un Microfighter de plus dans notre collection. Bon, je vais vous en faire une rapide présentation, mais sans une mini review. Donc voilà un petit véhicule qui est assez ressemblant à l'original. Je me suis chier ici. Voilà. Hop, parfait. Donc donc voilà, un petit véhicule qui est fort sympathique, avec ici une petite option pour pouvoir tirer donc en appuyant sur la petite pièce qui est là, mais je ne vais pas le faire. Mais sinon, assez détaillé, bon, ça reste un microfighter, quelques petites pièces, hein, il y en a 75 grand maximum. Mais voilà, vous avez ici toutes les petites pièces de rechange et le personnage, donc, écoutez, que je n'avais pas. Donc qui a une tête simple, hein, qui ressemble à ça. Mais voilà, donc un personnage fort sympathique et qui va venir s'ajouter à notre collection. En tout cas, je remercie vraiment BV131 de ce petit cadeau. J'espère que cette petite dernière vidéo dans ma chambre vous aura plu. Elle était petite, elle était simple. Il faut savoir qu'au moment où donc cette vidéo paraît, je suis encore une fois en vacances. Certains me diront, mais tu es toujours en vacances. Et oui, je suis toujours en vacances, mais ne vous inquiétez pas, je reviens très vite. Donc de toute façon je reviens pour la rentrée bien évidemment, et puis bah, c'est à ce moment là qu'on se reverra donc pour la rentrée, la vidéo de rentrée, et la vidéo de rentrée je sens qu'elle va vous plaire, puisque ce sera le mock qui participera au concours d'SW Lego Team. En tout cas je ne vous en dis pas plus, j'espère vous avoir quand même mis un tout petit peu l'eau à la bouche avec cette petite annonce. Je suis sûr que vous saurez être patient jusque-là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de mois d'août. Et puis on se retrouve le 3 septembre pour la vidéo du déménagement. Gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.